Salut mes petits lapins, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Civilization 4, mes petits lapins, parce qu'on est un petit peu la veille du lundi de Pâques, et oui, donc vous êtes tous des petits lapins. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a commencé à s'installer sur le nouveau monde, le nouveau continent, et j'ai réfléchi à un truc que la culture... Oui, attendre de construire mes théâtres. Faudrait que peut-être je fasse ça, tout bêtement. Et je vais faire pareil sur ces villes. Tiens, Nagoya s'est déjà étendu. Alors. Tac, tac, tac. On a combien? Ouais, allez, ça va faire du bien. J'aurais dû le faire beaucoup plus vite en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas avancé. Des unités ici. Ma foi, pourquoi pas? Je ne me souvenais pas. C'est la guerre contre les Japonais. Alors on voit qu'ici la culture c'est très très bien. Je suis sur le point de récupérer Zimbir et Teotihuacanas. Canas toi-même. Où est mon armée? Elle est là. Donc pour soutenir mon armée, je devrais peut-être... Bah what to do? Je vais te dire what to do. Peut-être pas autant. 5, c'est pas mal quand même. Alors je sais pas trop où attaquer. La capitale, ça me paraît un peu dangereux. Osaka, c'est un peu trop à l'est. Je pense que je vais peut-être aller voir ce qui se passe du côté de Tokyo. Il y a pas, la ville est pas très grande donc ça se trouve c'est plutôt pas mal. À la main c'est pas beaucoup protégé non plus. Donc bon, du coup toi tu vas aller jusque là, tiens. Ok. Et il faudrait que je fasse aussi des colons pour les bateaux. Il doit y avoir un bateau qui va revenir à un moment ou un autre. Du coup. Un petit colon en attendant des ouvriers aussi. Enfin, faut que je continue en fait à coloniser parce que là, mine de rien, y a plein de terres à coloniser. Donc voilà l'objectif. Et bah, c'est parti! Qu'est-ce que tu m'offres? Ça. Ça vaut 12 000, tu me proposes. Tu proposes des thunes et un truc qui vaut 10 000. Oh allez. T'es tellement en train de te faire bouffer par tout le monde en ce moment. Je vais être gentil. Ah, c'est bien ça. Un théâtre. Bien, le grenier maintenant. Aucun homme libre ne sera saisi, emprisonné ou exécuté de quelque manière que ce soit sans un jugement légal de ses pairs, la Magna Carta. Très bien. Qui permet de construire des prisons. C'est pas mal ça. Mais 3 tours. Non. Ne changeons rien. Pour le moment. Oh! Alors, attends, soldat en défense, ma culture. Akushans qui progresse, très bien, 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 bien. À combien j'ai de défense? 5 ici. Faut que je fasse gaffe. Bon, allez, je ne risque rien, ça va pas être les Japonais qui vont m'emmerder. Versailles qui avance, j'espère que je vais réussir à le construire, surtout Versailles cette fois-ci. Parce qu'avec toutes les merveilles que j'ai perdues. Les Romains, non, je vais occuper sur les Japonais là. 10 millions d'âmes, super, très bien, continuez. Les frontières d'Oxford. Néapolis de César est tombée aux mains d'Europe. Et une ville de Guillaume d'Orange qui perd Maastricht. Bah, Guigui. Et c'est les Amérindiens, c'est Sitting Bull, c'est le mec qui faisait chier depuis le début. Là, il réussit un truc, quoi. Peut-être là, cette ville, je sais pas trop. Bah alors, Guigui, c'est pas la forme. Alors, tout le monde, donc du coup, oui. Je vais tout
tous vous prendre un par un. Il faut plus de défense aussi là quand même. Moins 1. Et je vais en renvoyer 2 d'ici. Bon, les Russes sont calmés donc. Voilà. Très bien. Avec une seule unité là, c'est pas safe. Même si bon, je pense pas me faire attaquer maintenant, mais on sait jamais. Avec Staline, je crois qu'il est agressif. Agressif, ouais. Donc, j'ai une tendance à déclarer la guerre un petit peu tout le temps, et c'est vrai que depuis le début de la partie, il m'a quand même bien fait chier. Je vais pas tenter le diable une troisième fois. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ah non! Ah! Il m'a pété l'unité. J'avais oublié que les Japonais pouvaient quand même m'embêter. Alors, ici. Ben pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de construit? Ben pourquoi il n'y a pas de... Je comprends pas. Ben j'ai pas dit le théâtre ici? Ah, c'est parce que j'avais remis le... la culture. Ok. Ma foi. Oh, tu vas attaquer, c'est pas gentil. Allez, on se met tous en défense. Youpi! Allez. Une ferme ici. D'ailleurs, il faudrait que j'envoie des ouvriers aussi de l'autre côté. Là, j'ai plus d'ouvriers, c'est chiant. Il faudrait que... J'avais pas un... J'avais un bateau. Ah bah oui, le voilà. Il y a quoi? Deux soldats, un ouvrier? Ah oui, pour récupérer le fer, ça va être bien. Ah bah le galion est là. Je dépense des sous. Ah, j'ai bientôt plus en gagner d'ailleurs. Fais dodo petit galion. On va le laisser attaquer pour récupérer l'expérience. C'est toujours bon à prendre. Il faudrait que je fasse une route jusqu'à Oxford quand même. Bon. Dès que je peux. Donne-moi ton expérience, baby! Vas-y, vas-y, tape-moi! Allez, bim! Épuise-toi, petit japonais! Non! Oh non, 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 ça j'aime pas! Oh! Relou! Relou, relou, relou! Y'a quoi dans le bateau? J'aime plus. Super! Il y a quoi dans le bateau? On peut pas le voir. Bon, je pense que c'est cette unité-là, du coup. Tout le reste en défense. Ben toi, comme il y a une unité là, tu vas me faire la route jusque... Ah oui, ben forcément, si tu viens de là... Non, bah tu vas aller. Tu vas prendre le bateau. Par à l'étranger. Toi, tu feras la route jusqu'à Oxford. Bah déjà. Allez, on embarque et on fait dodo. Toi, mais je t'ai dit, la ville de Pékin, c'est la majuscule, c'est la capitale de... Étrange lapsus. C'est la capitale de Mao Tse-tung. Putain, il se fait défonce. Ah, cool. Allez, on débarque et... On rentre à la maison. Je pourrais faire un deuxième colon.
Donc ici, je vais avoir des villes avec un seul. Là, il y en a deux en défense. Là où il n'y en a qu'un seul. On va passer par là. Allez. Ok. Et là, un seul aussi. J'aime pas trop, donc on y va. Et toi, tu vas faire une route vers le fer. Impeccable. Frontière étendue à Nottingham, très bien. Faut grignoter ça, hein. J'ai toujours peur. Son Excellence qui déclare la guerre. Mais Ragnar, t'es en guerre contre tout le monde. Son Excellence, maître. Ah, mais. Il a deux vassaux, il a pris César aussi. Crotte. Moi qui voulais le récupérer. Pour avoir pris ma merveille. Oh là là, mais dites donc, c'est bon, on a compris. Waouh, 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 waouh. Calmos. Ok. Guerre mondiale, ça roule. On pige le truc. Donc Mao Tse-tung devient vassal de son excellence. Non, ne pique pas ma ville. On a très peu de chance avec des unités de merde, mais bon. Arrêtez, 5 minutes. Je t'ai dit d'aller où toi? J'aime plus. Ils sont si forts que ça, c'est con. Voilà, écoute. Ferme. T'inquiète, bah ouais, mais non, je veux pas faire la guerre à Guigui quand même. On embarque, et eh ben c'est parfait, tout le monde est là. Ma foi, on y va. Il veut me prendre Nara, ce con. Ok, tout ce petit monde là. Oh, mais il n'y a personne à Tokyo, c'est très bien. On va d'abord le laisser attaquer Nara. Voilà, comme prévu. C'est sûr que des arquebusiers face à mes fusiliers. Pas terrible, hein. Donne-moi ton ex, baby. Yeah. Non, désolé. Arrêtez de me faire chier. Non, pas de guerre. Mais vous êtes... Tout ça... Ah, bien. Oh, pas content ici. Le Colisée. On sera jamais assez pris. Plus beaucoup de défense à Londres. Faut pas déconner. Liverpool. Bien. Ragnar a perdu une ville. Le mec, il se fait mettre la raclée par. Waouh. Sur son territoire en plus, apparemment. C'est chaud. Mais fallait pas passer aussi près de la ville, il est con ce mec. Kushan, ces gens sont malades. Oh, il a remis des défenses. Crotte. Je vais me mettre là.
Ah non, mais arrêtez au bout d'un moment. Il y a quand même des villes pas développées en fait là au niveau des barbares. 9, c'est pas mal. Là aussi 9. Donc il faudrait vraiment que je les bouffe avec la culture. Alors, j'avais dit là. Toi t'es où? Toi t'es là. Ah oui, il y avait un village tribal là, c'est vrai. Je pense que tu passes devant les barbares. J'ai pas envie de perdre une unité bêtement, on sait jamais. On ne sait jamais. Grignote, grignote, grignote. Donc, il faudrait que j'amène des missionnaires pour pouvoir augmenter le nombre de religions, pour augmenter la production de culture dans ces villes. Arrête 5 minutes! Grenier, parfait. Tribunal, ce serait bien parce que la ville me coûte cher. Et là, oui, je suis déjà en déficit. C'est très long à produire. Bon, le phare, ça sert à rien. Il y a tellement de cases qu'ils produisent ici. En fait, la forge, peut-être. Ouais, autant que je fasse la forge. Même si ça paraît immensément long. On se soigne. On avance. Ouais, il faut que j'aille prendre le village, c'est vrai. Faut que j'y pense. Londres, qu'est-ce que je peux faire? Augmenter l'espionnage, c'est pas mal aussi. Hein. C'est une petite construction vite fait. Intérêt à construire Versailles quand même, parce que là, si je me fais encore bouffer une... La Haye, c'est pas sa capitale quand même. Non, c'est Amsterdam. Quoique ça se trouve, peut-être que c'était... Je ne sais pas, mais c'est chaud. C'est chaud. Il y a tellement de terre à améliorer ici que... Mec, je sais même plus ce que c'est. Il y a tellement d'unités partout. Ah, le galion. Fait dodo. Il me faut un autre colon. Est-ce que j'ai commencé à le produire? Bah non, je devais le produire là. Patate, colon et ouvrier. Et j'ai fait une prison. Bon, c'est pas grave. Enfin, si, il faut que je fasse des colons plus rapidement. Et des missionnaires, et des ceci, des cela, les sumériens. Au revoir. Non merci. J'ai un peu peur que... Ouh là là. Non. Les mecs sont en train de devenir un peu vénères. Allez. Ouh, il y a un petit village là. Faudrait que j'aille le choper. Rotterdam. Ah mais les Sumériens sont en train de bouffer Guillaume comme une orange. LOL. Toi t'es en manque de production, je pense. On va voir ce qu'on peut mettre ici. Voilà. De l'or, bah c'est cool parce que j'en manque. Staline, non. Une forge, enfin. La culture et la science, c'est bien. Théâtre, le grenier. Ah, nous voici arrivés. Bon, on va explorer. Ouf, il y a déjà une ville là. Et des barbares là. On va
passer de l'autre côté. Putain, au niveau des thunes, c'est chiant là. J'hésite. Nourriture, franchement, c'est pas la peine. Ah, c'est la paix. Une mine plutôt, allez. Putain, c'est chiant. Faut pas perdre le bateau, hein. Il y a un colon dessus. Oh purée. Ils sont installés partout, c'est con. Bah écoute, va là. Parce que je vais encore envoyer un autre colon en bateau. J'aime pas où c'est exactement. Ah bah c'est la ville qui m'attaque. Mais ils sont cons aussi. Colon. Défense. Coventry s'agrandit. C'est au Coventry. Très bien là. Gilgamesh n'est plus un souverain de Ragnar II. Oh, oh, je rattrape Ragnar. N'est plus un souverain, n'est plus un vassal. Qu'est-ce que je raconte? Pas mal. Pas mal, pas mal. Le bateau, il est où? Il est là, le bateau. Tu m'offres la chimie. Honnêtement, je prends. Même si ça m'a coûté. La chimie est ce qui sépare la pauvreté et la famine de l'abondance. Robert Brent. Ça m'a coûté très cher, mais... un soldat, un ouvrier. Il me manque plus qu'un petit colon. Un village là encore, mais du désert. Je pourrais m'installer. Quoique, pleine. À la limite, je serais tenté. Avec l'ouvrier, avec le autant de. Je vais voir ce qu'il y a au-dessus, on sait jamais. Les plaines inondables, c'est cool, ça produit de la nourriture, mais... Newcastle... Ah, c'est bien ça. Allez, on va grignoter... C'est quoi, c'est les Sumériens, là? On y va, on grignote. Putain, mais désert de désert, quoi. Eh, mais je devrais pas attaquer Tokyo, fait depuis tout à l'heure. Les civilisations les plus puissantes du monde, c'est moi le plus puissant. Ragnar Staline, quand même. Napoléon 6e. Faudrait que je me méfie de Staline. Nottingham, une bourse. Les unités, c'est plutôt long. Autant faire une prison pour augmenter l'espionnage. J'ai complètement oublié que je vais faire la guerre aux Japonais, là. Ça a l'air pas mal. On va peut-être s'avancer un petit peu sur les terres. On rentre. Ok. Quel est le plan? Le plan, c'est de niquer les Japs. Parce qu'il y a eu le temps de se faire de la défense. Et moi, j'ai complètement zappé. Ouais, tranquille, machin. Une forge à Kushans. Oui, il faut plus de culture, dites donc. Oubliez cela. Ready for action. Tell me what to do.
Oui, il y a droit des coins sympas. Je vais reproduire plus de trébuchets. Ce qui est bien avec Civilisation, c'est que c'est vraiment une question de choix en fait. Vraiment, il faut choisir. Donc là, je peux choisir entre les missionnaires, les colons, les trébuchets, les ceci, les cela. Mais il faut vraiment que je choisisse pour pouvoir justement réussir. Ville de Nara s'est révoltée, a rejoint l'Empire japonais. Mais merde, j'ai même pas vu que c'était la révolte à Nara. Putain. J'ai récupéré Nara. On va avancer encore un petit peu. Là, je pense. Alors, pas content, pas content. On a perdu Nara. Super. Bruti. Peut-être le reprendre. Oh non, mais c'est pas possible. Carte du monde. Bah non. On va te faire foutre. Non, je suis pas content là, j'ai perdu Nara. Du fer. Très bien, j'ai du fer. Ah, je peux améliorer du coup en... Ah, je peux pas améliorer en chevalier. Peut-être pas ici en fait. Oh, ça fait chier. Je vais récupérer Nara tout de suite. Côté prod, ouais. Pas grand chose. Donc, une autre mine. Ça me saoule de devoir tout le temps redonner le même ordre. Il y a une route qui passe là, tiens. Un colon, très bien. Un peu plus de trébuchet, du coup. Un ouvrier, très bien. Trébuchet ici, c'est 5 tours. La prison, peut-être. Colisée, cool. Poste de douane, ça va apporter des sous. Qui a construit Versailles? Qui a construit Versailles? Purée, je suis vénère. Qui a construit Versailles? Toi, tu veux arrêter de me demander, ça m'énerve. Je sais même pas qui a construit Versailles. Cinq plus grandes villes. Non, condition de victoire, c'est pas ça. Tiens, je regardais le graphique de puissance. C'est moi le plus fort. Cool. Cool, 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 cool. Ragnar est quand même pas loin. En termes de score, ouais, Ragnar, il s'est pris. Il a perdu deux vassaux d'un coup, ça fait mal. Londres, York, Paris. Il me faut Paris. D'ailleurs, on en est où de... Tiens, embarque. Toi, tu vas aller de l'autre côté, par contre. Ah, ici, et d'embouchure, c'est parfait. 21 tours, ça va être très long. Tout le temps de s'installer pour les autres connards. Pardon, j'ai dit un gros mot. 57-42, c'est bon.
Ah mais c'est pas vrai, mais il redéfend Nara du coup. Quel quart de merde. Oublié, je vais venir avec l'autre. Je me soigne là. Mao Tse-tung n'est plus vassal de son excellence. Il déclare la guerre maintenant, du coup. Probabilité de victoire 84%, c'est suffisant pour tenter. Même si je n'ai pas d'évité, c'est pas très grave. Oui, c'est très très bien ici. Leeds. Je vais mettre de la culture tout de suite. Je vais pouvoir choper le village sans envoyer d'unité. C'est un peu risqué s'il y a des unités. Ah putain! Fausse manip. Mais il est parti sans ouvrier l'autre? Je sais plus ce que j'ai fait. Fais-moi une route jusque là et après on ira jusqu'à Oxford. Et par contre, je suis con, c'est que là j'ai. J'ai fait descendre mon unité de défense! Personnalise. Il y a un barbare qui passe, tranquille, il me prend la ville, quoi. Ashoka des Indiens enchantés qui a fait des colonies. Science militaire. Tu m'offres le grenadier contre les pièces de rechange. Ça vaut largement le coup. Surtout que t'es plutôt faible pour l'instant, donc... Je dois étudier la politique et me battre pour que mes fils puissent être libres d'étudier les mathématiques et la philosophie. John Adams, je peux faire des grenadiers maintenant. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Galion de guerre et une académie militaire. Du coup... J'ai pas fini d'attaquer moi. Coup de fouet. Oh, laisse-moi des... Reprendre cette ville, je suis pas content. Prends du retard. Cette guerre. Faut que je renvoie des soldats. Du coup, je sais même pas qui est le maître d'Ashoka. Staline. Donc, Staline a fait une colonie. Les Japonais se révoltent à Nagoya pendant ce temps. Non, mais si je perds les deux villes aussi. Il a remis tout ça. Bon. On va voir si c'est bien le nombre d'unités qui fait que... Ah, mais c'est pas possible. Je fais un peu n'importe quoi, là. Salut Cyrus, bah dis donc, c'est la mode de faire des colonies. Trébuchet, oui, alors merci pour le trébuchet, mais alors ça va être soldat à fond et grenadier aussi. Voilà. Tiens, bah tu vas aller jusque Norwich, frontière étendue, cool. Putain, alors que je vais prendre Tokyo et... J'ai pris du retard, si j'avais pas pris ce retard de con, j'avais oublié que j'avais ça à attaquer aussi. Cyrus déclare la guerre à Mao Tse-tung. Ok. Cyrus c'est qui? C'est
Son excellence, d'accord. D'ailleurs aussi. Reviens là, toi, patate. Plus de civilisation, ça en fait plus pour venir me faire chier à quémander des trucs. Alors, là, ce serait bien de faire une mine. Je fasse gaffe aux Japonais qui est à côté. La petite troupe. Et voilà. Et tout le monde rentre à Nagoya. On se soigne et on retourne attaquer Nara, que j'ai perdu connement et que c'est frustrant. Il a le temps de faire des unités pour se défendre. À chaque action correspond une réaction égale. Isaac Newton. Très bien, je découvre la physique. Société commerciale pour avoir plein de thunes. Et oui, 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 laisse-moi faire 2 secondes. Bon, comme je peux en produire plein, je vais envoyer tous ces soutiens. Ça se trouve, Tokyo est peut-être tranquillou là en ce moment. Attends, je suis perdu là. Tokyo est là. Allez, on va tous là. Voilà, 11 tours, ça va être long. Oh, très bien, Académie. Ma science, logiquement, donc ça multiplie par 50, enfin, multiplie par 1,5 la production scientifique de la ville. Je regarde quelle ville produit le plus de science. Oh, généralement, c'est la capitale, hein, quand même. Et là, c'est la capitale, donc je t'installe dans la capitale. Wouhou! Ici, il devrait y avoir pas mal d'unités aussi. Tu vas pouvoir aussi t'approcher de Tokyo. Ça se trouve, il y a moins d'unités à Kyoto, vu qu'il a tout mis là. Je vais quand même aller voir, du coup. Tout le monde se soigne. Et après, on y retourne. Les frontières de Nagoya se sont étendues. Et les tensions se sont calmées. Moulin. Siri. Ferme. Allez, Siri. Passage si tu veux. Qu'est-ce que je fous là moi? Ah oui, tu devais te soigner. Il y a des îles intéressantes là. Alors, pour la culture. Une petite synagogue. Bah là je peux améliorer, 1040. Ouf. Je le fais quand même. Passer le tour. Je vois que je vais subir une attaque apparemment. Mais c'est pas grave. Un petit moulin là.
maison. T'es pas très loin. Ça prend du temps quand même, 12 tours. Oh, mais... Nique mon trébuchet que j'ai construit tout à l'heure, purée. Le phare, youpi. Ça produit pas beaucoup, cette ville. La forge, du coup. Mais fais pas le tour par là. Les Britanniques se révoltent à Teotihuacan. Canas toi-même. Passer le tour. Passer le tour. On va remettre de la défense à long parce que là, j'ai retiré pas mal d'unités. Faudrait que je fasse une route jusque Warwick et que je développe un petit peu ce qu'il y a autour de Warwick aussi quand même. Et puis là, il y a du pétrole à choper quand même. Voilà, allez, attaquez-moi, donnez-moi de l'expérience. Et surtout, niquez vos unités de merde. Je pense que Nara l'a vidé, du coup. Voilà, c'est génial. On va aller vite se soigner et vite reprendre Nara du coup. Mais j'ai hâte d'avoir plus de sous déjà parce que là j'en perds pas mal. Et découvrir des meilleures unités. Contre les Perses, non. Je les connais à peine en plus, il y en a à peine d'arriver. Waouh, vous les détestez déjà autant? C'est ouf ça. Les frontières de Douvres se sont étendues, c'est parfait. La pression va augmenter. En parlant de pression, il y a beaucoup de... Je me demande s'il n'a pas la guerre qui le démange. Ce qui m'emmerderait, bien évidemment. Parce qu'une guerre contre les Français, alors que j'essaie de niquer déjà les Japonais. Bon, tu veux toujours pas capituler, hein, de toute façon, parce que là... faut dire que t'as réussi à me reprendre la... une des deux villes que je t'avais prises. Ils sont si puissants que ça. Bon. C'est très pénalisant d'oublier un petit peu le un front comme ça. En général, l'ennemi se recouvre bien. J'aurais pas dû. Négliger autant la guerre. Donc là, ah, on n'a pas encore réussi à les convertir. Pas cette fois-ci en tout cas. Parfait. Paix avec Ragnar. Ah, ce serait bien que tu mettes une... une mine là-bas. Toi, je t'ai dit d'aller... ici. Un petit camp. La capitale, qu'est-ce que ça donne? Juste aller voir par curiosité. Une prise de capitale serait quand même assez dingue, mais... Voilà, oh, qu'est-ce qui se passe? On me déclare la guerre. Qui? Mao Tse-tung, Sitting Bull. Alors, guerre, donc, tout de suite. Soldat. Ragnar, au purée. C'est parce que je t'ai pris cette ville-là que tu m'en veux.
Conversion de culture. Oh là là, ça fait un peu peur quand même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me concentre quand même sur les Japs. Rentre dans une ville. Je suis en guerre contre Kiss Sitting Bull, Mao Tse-tung et Ragnar. Ok. Ok, ok, ok. C'est chaud. Ça brûle. Tiens, mets-toi en défense. Il va falloir serrer les fesses là. Parce que putain, en termes d'armée, il doit avoir un de ces putains de. Ouais. Bon, déjà, l'armée là-bas, c'est pas la peine. On va repasser de Honara. On sait jamais. Et je pense qu'on va rentrer et peut-être. Enfin, quoi que non, je peux pas lâcher le front japonais. Ça va être sûr que là, ça va être la plainte. Tiens, j'ai des éplins. Je sais plus ce qu'on peut en faire exactement. On va quand même mettre des soldats. Par contre, Guillaume, peux-tu faire la guerre, s'il te plaît, à Ragnar? Bon, je pense que je vais énormément serrer les fesses. Donc l'église pour la culture ici. Pas grand monde, c'est plutôt positif. Et je vais attendre que Ragnar veuille bien me parler pour pouvoir calmer la guerre avec lui. À côté, en sachant que Sitting Bull a réussi à faire. Oh putain! Oh putain! Oh, j'ai plus assez de sous pour. Oh là là là! Oh la misère! Non, c'est pas ça. Oh, je vais avoir mal au cul là. Combien de temps pour aller jusqu'à Canterbury? 7 tours, oh là là. Que sa communauté ici. Purée. Non mais je me cours des boutons à chaque fois. Société commerciale, c'est très bien, ça rapporte des sous, mais là je m'en fous un petit peu. Tradition militaire. Cuirassé, levé, voie ferrée, tradition militaire. J'ai pas trop le choix.
Oh là là. Bah oui, je suis con, c'est qu'ils étaient là aussi. Ça sert à rien. Putain, ça sert tellement à rien de prendre des villes ici, ils vont tout me reprendre. Cela dit, je leur nique pas mal d'unités. Si je veux garder un petit terrain là, faut que je remette mon armée là-bas. Ok, prison Nottingham, soldats. Dodo. Ok, sans surprise, ce sont les fusiliers qui sont les plus doués. Tellement serré les fesses jusqu'à ce que Ragnar va bien me parler. Bon, j'imagine qu'il a pas très bien vécu effectivement la conversion culturelle d'une de ces villes, ce que je peux comprendre. Mais c'est le jeu, mon petit. T'as l'air d'avoir une culture de merde. Attends, il est agressif. Bon. Il joue plus sur l'armée qu'autre chose. Tu me fais pas peur avec tes cailloux. Culture pour l'instant. Vous allez attendre un tour. Putain, ça fout les miquettes là de perdre Kushan, c'est avec mon artiste illustre dedans. Oh putain, il attaque. Butez-le, mais butez un max. Je sais pas combien il a d'unités, je sais pas combien j'en ai, il en a d'avoir beaucoup. Là j'ai pas eu le temps de ramener mes renforts non plus. Enculé. Pardon pour les gros mots. C'est des armées en plus de 10 milliards d'unités. Ah, je suis crispé sur ma chaise, vous pouvez même pas imaginer. Bon, cela dit, je vais... Quand même, je vais réduire pas mal son armée, hein. En fait, c'est ça, c'est qu'il a tellement d'unités que bon... Puis aller au culot, il a piqué la ville, je pense. C'est pas des unités puissantes qu'il a. Mais elles sont extrêmement nombreuses. Je suis deg d'avoir perdu Nagoya. Ça se défend bien, ça se défend bien. Je les ai tous butés? Oh putain.
Ah cool, ça se réduit. Je grignote, je grignote, je grignote. On se soigne. Tout le monde en défense. Et on se déplace jusque Nara. J'ai dit tout le monde. Ok, alors. Nagoya, serait bien de le récupérer quand même. All present and accounted for. Ah, les Japonais, pendant ce temps, ils ont le temps de se faire une santé, hein. Du coup, je serais presque tenté. Vu comment on a bien résisté, oh, je pourrais prendre Zimbir en même temps là. Je serais content de pas tenter. Ah, c'est stressant quand même, hein. C'est vrai qu'il y a aussi cette ville-là à défendre quand même, qui est assez importante quand Canterbury. Je perds tellement de thunes là, c'est indécent. J'ai déjà si peu d'unités que ça. Oh putain, j'ai plus que des archers. Ah mais oui, c'est vrai. Ah, je flippe encore plus. Si je perds Canterbury. Oh putain! Oh l'erreur! Oh l'erreur! Je sais même plus si j'ai pas des merveilles dedans. Oh putain! C'est même pas envisageable autrement, quoi. Je peux même pas finir la guerre jusqu'à ce que je l'ai pas récupéré. C'est quelles unités là? Ah, par là. Je voyais même plus. J'ai même pas envie de perdre au cas où des unités. Je pourrais prendre la ville pacifiquement avec la culture. Donc, je vais vraiment économiser. Et la Canterbury. Je suis dépité. J'ai toujours pas un seul vassal, c'est pas juste. Ça.
Un grenier. Ah bah de l'uranium, tiens. Tout le monde, on se décharge ici et on rentre à la casbah. Tu vas me rendre ma ville, quoi. C'est qui? C'est pas moi, si. J'avais une unité qui se baladait là. Ah oui, apparemment. Apparemment, ça leur a pas plu. Ils sont tellement nombreux. Je suis désolé, mais non. Alors, notre ferme là. Là, route vers là et ville ici. Reading culture. Waouh, ça va être du suspense là jusqu'à ce que je récupère Canter. Et après, il faut que j'arrête la guerre avec Ragnar. Putain, mais s'il sort les trébuchés en plus. Putain, mais il me prend pas ces villes, sérieux, c'est des villes japonaises, qu'est-ce que tu t'en branles? Toutes ces unités. Bon, moi je peux pas dire que j'en détruis pas, hein, ces unités, parce que là. Pff, allez! Putain, mais il me sort des trucs de l'an 2 en plus. Là. Les piquiers là, sérieusement. Non, mais m'en détruire quand même. Nick douille. Oui, libre passage si tu veux. Non. Non, je ne vais donner ma ville à personne. On se soigne. J'ai encore des renforts qui devraient arriver, hein, il me semble. Ok. J'ai pas notre petite... si, j'en ai... ouais, bon. Tu vas me rendre ma ville.
Putain, ça va être long. Ça va être long. Putain, mais sérieusement? Oh là là. Vous êtes encore nombreux. Oh mais il en vient du sud en plus. C'est quoi l'ermitage? Ça augmente la production de culture. Ce qu'il y a, c'est que dans le contexte actuel, hein, la production de culture, voilà. Je ne peux même plus attaquer ces putains de... japonais. Parfait. Petite mosquée. Du coup, j'hésite. S'il revient m'attaquer. Bon, en même temps, là, j'ai buté pas mal de ses unités, donc ça devrait le calmer. Ah, Ragnar veut m'écouter. Un général. Est-ce qu'il y a déjà une académie Je vais voir là-bas ce que ça donne. Production d'unité militaire plus 50%. Ça va être parfait. Est-ce que je devrais pas prendre une ville à Ragnar avant de lui demander de faire la paix? Ou est-ce que je me débarrasse tout de suite du front et je continue à attaquer les Japonais? Bah voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi si je continue la guerre contre Ragnar pour l'instant. Et si je lui prends une ville avant, avant de faire la paix avec lui. Ou si je lui demande de faire la paix tout de suite. Et que je reprends le combat contre les Japonais qui m'ont repris. Enfin non, même pas, c'est même pas les Japonais qui m'ont repris. C'est Ragnar qui a pris Nagoya maintenant, c'est malin. Voilà, bah, j'attends vos conseils sur les commentaires de cette vidéo YouTube ou bien sur Twitter, @AlexLeServeur. Merci d'avance pour vos pouces bleus, merci de suivre tout ça. Vous pouvez également voir mes vidéos sur The Tycoon, Theme Hospital, il y a quoi encore, City Skylines, bientôt Banished, parce que j'adore aussi Banished. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo épique. À bientôt.